Le capital de l'Europe, ce sont ses langues. Ce sont les 20 et quelques langues, ou les 30 et quelques langues qui sont parlées par les peuples d'Europe. De l'irlandais, du portugais jusqu'au russe, en passant par le géorgien, le polonais, l'allemand, le français, l'italien, le croate, que sais-je encore, les peuples d'Europe parlent tous leur langue à eux. Et s'il y a un endroit où un lieu d'Europe doit être le miroir de toutes ces langues, c'est à Strasbourg. C'est à Strasbourg, l'histoire de Strasbourg, l'histoire linguistique, l'histoire des langues à Strasbourg, lui impose de tenir compte de toutes ces langues. Il faut que les jeunes gens ou les moins jeunes qui viennent à Strasbourg ne soient pas obligés de parler une langue qui n'est pas la leur, qu'ils soient obligés de parler le français ou l'anglais. Non, il faut qu'ils parlent leur langue, il faut qu'ils jouent avec leur langue, il faut que dans une exposition, ils trouvent leur langue, que ce soit de l'estonien ou du tchèque ou du slovaque ou du portugais ou de l'espagnol. Il faut qu'ils jouent avec leur langue, il faut que nous jouions aussi avec leur langue. D'ailleurs, l'école des arts décoratifs, le seul endroit d'Europe qui travaille avec la langue comme un objet d'art. Les langues à Strasbourg sont les langues des peuples, mais ce sont les langues de leur culture, et donc ce sont des œuvres d'art, elles doivent être cultivées ici.